Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien, même très très bien. Bon, ben voilà, on est avec les lumières artificielles parce que monsieur le temps ne me permet pas d'ouvrir ma fenêtre. Il fait, comment dire, comme une espèce de tempête. Hein. Un vent très 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 fort qui a décroché le petit chouette dans un petit cadre que ma fille m'a peint et ça l'a décroché. Donc pas de fenêtre ouverte, hein, c'est pas grave. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo pour ce petit partage. Voilà, reçu ce matin. Donc, trop contente. À l'heure où je vous fais cette vidéo, il est 14h30. Et nous sommes le samedi 15. Voilà. Donc, nous allons ouvrir. Bien sûr, derrière le trépied, parce que ça, je m'y fais jamais. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est vrai, j'avais dit que je voulais me calmer sur les Lenormand, mais il y en avait un qui me plaisait, hein, que je voulais, mais je crois que c'est pourquoi je l'avais pas commandé sur le coup, peut-être parce qu'il était anglais, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est celui-ci de Kiro Marketing, et de Tony Savory. Et j'ai déjà évidemment le Normand de Kiro Marchetti et celui avec lequel je vous fais les identités de vos guides, et c'est le seul que j'ai. J'adore ce créateur et je sais pas pourquoi je dois avoir, je crois, 3 tarot de lui dans mon panier depuis très longtemps, depuis un moment. J'en avais déjà commandé un, c'était le tarot onirique, je crois, quelque chose comme ça, où je l'ai pas, j'ai pas accroché. Alors le visuel, bah, pas, j'ai pas retrouvé son monde. Et j'ai pas accroché pour le reste, donc du coup je l'ai revendu, ce tarot. Par contre, les autres me plaisent énormément, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite je vais pas y arriver là, je vais abîmer le truc. Pourquoi pas faire une petite série. Ouais, petit à petit, ou en prendre au moins un ou deux tarots de lui. Alors, pas tout à la fois, parce que si ça me fait le même effet que le premier tarot que j'ai acheté, c'est pas la peine. Donc, j'en prendrai certainement un. Et puis, s'il me plaît, bah, pourquoi pas un autre. Alors, qu'est-ce que j'aime chez ce créateur? C'est cette espèce d'excentricité, de couleurs, et de mélanger aussi son monde avec... comment dire, avec avec l'ancien, quoi. Enfin voilà,
Décidément, en ce moment, moi, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est-à-dire qu'il part, on va dire, d'un siècle, d'une année, je sais pas, d'une année antérieure, hein, style victorienne, là, et mais en y ajoutant cette espèce d'excentricité, ce modernisme, ces couleurs, c'est voilà, il a ce quelque chose de très particulier que j'aime beaucoup, mais pas non plus en trop. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, faut pas en avoir trop. Je pense peut-être ajouter un ou deux tarots, mais après pas plus, je pense. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, parce que ce petit oracle, je l'adore, je l'adore, je l'ai mis dans l'ordre. Va falloir que je le re-aère et que je le remélange, parce que juste après cette vidéo, je fais la vidéo pour vos guides. Et donc, mais j'avais envie de le mettre dans l'ordre pour pouvoir le comparer un petit peu. Hein. Pour l'instant, on profite. Là, ce qui m'a plu en fait dans ce jeu, c'est justement la présentation de la boîte, où c'est tellement bien fait. Là, on sent qu'elle est vraiment sur une espèce de confort, un confort très rassurant. Hein. On le voit à sa posture et puis on le voit au visage. Elle est vraiment. Et puis derrière, au niveau du fauteuil, on sent hein, ce côté très très confortable. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis on y rajoute l'élégance. Hein. Voilà. On sent l'intérieur. J'adore. J'adore ces couleurs, un petit peu ces tapisseries de manoir, ces tapisseries de maison bourgeoise. Et comme je vous disais, ensuite, il y mélange cette excentricité. Là, voilà, un vaisseau pareil, moi, je rêve. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je rêve. Voilà, donc là, nous allons avoir des exemples de tirages. Je sens que je vais me régaler aussi hein, avec celui-ci. Je crois que je l'ai déjà vu passer. Je l'ai déjà vu passer, mais là, il était sorti. Enfin, il sortait que le 13. Et je l'ai commandé le jour de sa sortie, mais il est possible que ce soit une réédition possible. Je ne sais pas du tout, hein, parce que moi, je me renseigne pas. Je me renseigne pas sur ce genre de choses. Tout ce que je sais, c'est que j'ai. Alors j'aime beaucoup. Je suis en train de regarder, hein, je survolte un petit peu le bouquin. Le Normand, tout le monde connaît. Donc on va pas faire Enfin, je vais pas lire ça non plus de toute façon parce que je pense que ça agacerait. Non, je regarde en gros. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a beaucoup plus de petites choses à expliquer, des trucs sympas par rapport au tableau. Ça a l'air d'être très intéressant. Hein. On se rapproche un petit peu. Ouais, pourquoi pas. Pour les personnes qui veulent commencer le Normand, on a quelque chose qui m'a l'air d'assez explicite ici. À voir, à voir, à voir, à voir. En plus, nous avons le guide de lisibilité rapide. Donc le cavalier, on nous donne comment on dit? Je sais plus. Eh mince, ce caractère de la carte, peut-être, hein, c'est ça, ouais. Enfin, en tout cas, quand elle est positive ou négative, vous me direz le mot, hein, si vous vous en souvenez, parce que moi, là, j'ai des trous de mémoire incroyables. Va falloir que, je sais pas, je mange plus de poissons, tiens.
Donc là, c'est très très bien. Et puis en plus, bon, bah les oh là 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 là, les cartes, enfin voilà, les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc au niveau du livret, nous en sommes là. Et puis je vois que nous avons aussi deux personnages à chaque fois, c'est tout beau, tout beau, tout beau. Donc c'est génial, on va pouvoir le comparer avec celui-ci, hein, vu que c'est le même personnage, et voir la différence de ces deux beaux jeux et voir ce qui se passe. Donc là, nous sommes dans un pochon très très classe. Ah, j'aime bien là aussi ce qu'ils ont mis d'origine. Ça, j'aime bien. D'origine, voilà. Il est là le jeu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis, ce que j'adore, eh bien, là aussi, les tranches qui font très, très, très anciennes. À la limite, on pourrait croire que. Ah, bah, ça m'a fait le même effet, en fait, quand j'ai reçu celui-ci, où je me disais que les cartes, elles avaient un dos où tu pourrais te croire dans une scène. Suspense, hein, dans, mettons, l'Orient Express, hein, voilà, le style, ces années 30, ces années, ouais, ces années 30, 35, voilà, dans l'Orient Express, par exemple, et là, je trouve qu'il le fait encore mieux, parce que les cartes sont vraiment petites. J'ai l'impression qu'elles sont plus longues qu'un le normand. Ah, je vais aller regarder. Tiens, 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 tiens. Nous allons comparer avec mon petit le normand tradit. Ça, c'est mon petit chouchou. Voilà, le petit le normand tradit. Et il nous fait quoi? Il nous fait que celui-ci là est légèrement plus étroit et légèrement plus long. D'accord. Ok. Bon, on n'est pas sur une dimension de carte traditionnelle. Ce que j'aime chez aussi ce créateur, c'est les ajouts. Voilà, y mettre son identité quelque part, et ça, c'est très bien. Hein, voilà, et je pense que, au vu du livret, il respecte tout à fait le normand, mais il rajoute sa création. Hein, et voilà, il rajoute un peu de lui-même, et je trouve ça génial. L'étrange, j'adore. J'adore. Elles sont quoi les tranches là? Bon, on va le sortir hein, quand même. Voilà. Ah oui, elles sont dorées. Bon, c'est de la qualité quand même hein, parce que depuis le temps où je m'en sers, bon, la dorure est usée sur les angles là, mais bon, pas plus que ça. En fait, donc voilà. Et mais là, je pense que ça sera peut-être mieux, je sais pas, mais bien. Et puis alors, la qualité, elle est plutôt sympa. On est quand même sur un grammage un petit peu plus qualitatif que ces nouveaux jeux. Bon, là aussi, on est bien là en grammage. Voilà, et puis ce côté entre le mat et le lac, c'est pas tout à fait mat. Bon, je dirais que ça se rapproche plus du mat. Ça chante. Ça chante. Ce jeu, vibratoirement, il m'explose aux yeux, rien que le dos.
Là, on est vraiment, vraiment sur. Sur une autre époque. Voilà. Donc, on va regarder. On va comparer. Là, ça commence là comme ça. Et il va falloir que. Attendez. Je vais remettre le jeu correctement. Comme ça. Hop. Hop et hop. Voilà. J'en ai pas pour longtemps. Voilà. Bon, alors attendez, je fais pause et je reviens. Et nous revoilà. Donc, on va comparer bien gentiment. Et puis, bah, peut-être qu'on va se dire ce que l'on pense, hein, de ça. Là, déjà, on sait que c'est de bon augure. Hein, de toute façon, le cavalier, j'aime bien. Là, la carte est beaucoup plus prononcée. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus classique. Là, on est sur quelque chose de plus imaginatif. Hein, voilà. Bon, toujours dans le très positif, hein. Là, ce qu'on voit, c'est la force, mais c'est aussi l'élégance, hein, de ce cheval. Et on dirait même que c'est plus le cheval, hein, qui gère, hein. Lui, il se tient. Il se tient et puis c'est surtout qu'il tient la nouvelle. Hein. Il tient la nouvelle, c'est très important. Donc il tient la nouvelle. Bon, voilà, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Là, au niveau du trèfle, c'est pareil. J'aime beaucoup. C'est très différent. Là, on est dans la nature. Là, on est sur quelque chose de symbolique. Et la nature, elle est derrière. Moi, j'aime bien quand il est en fleur le trèfle parce que c'est vrai que le trèfle d'origine c'est une opportunité mais rapide. Ça va pas durer longtemps. Donc il faut se dépêcher. Hein. Déjà, c'est déjà bien 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 entamé et ça reste pas longtemps en fleur. Donc on saute sur l'opportunité. On est sur quelque chose de très positif. Là, nous avons les coupes. Alors, est-ce qu'il y aurait un symbole à ça? On va voir avec les coupes. Alors j'aime bien parce que là, je regarde. Hein. On te parle. Ah ouais, par contre, il est vachement bien, bien, bien. Moi, je dis que pour les personnes qui veulent commencer avec le Lenormand, celui-ci, franchement, vraiment très bien. Parce que là, alors donc, on va parler. De ce trèfle. Donc le trèfle, on te parle de la signification. Je vais le montrer, hein, là, quand même. Donc la signification, la chance, présage, bon augure, bien sûr, on est sur quelque chose de positif. On te parle de la signification traditionnelle. Ensuite, on te parle de l'image. Ça, c'est bien. Et ensuite, comment dire, les événements, hein, de la vie, hein, traditionnelle, ça, le travail, l'amour, la santé, le conseil qu'on peut avoir et les notes importantes que tu pourrais prendre par rapport à cette carte, hein, je pense. Le trèfle est un porte-bonheur, telle une révélation, il apparaît, tout devient favorable et illumine les cartes. D'accord, voilà, c'est ce qu'il y a à noter. J'aime bien, franchement, c'est très très bien, hein, pour les personnes qui n'ont pas des bouquins sur le Normand ou qui veulent commencer. Et puis en plus, commencer avec des illustrations comme ça, c'est fabuleux. Voilà, et le mot-clé, la bonne fortune, le succès et le résultat positif. C'est vraiment très très bien. Donc là, on ne parle pas vraiment feuille petite taille. Il devient un trèfle à quatre feuilles. D'accord. Bon, on ne voit pas les coupes.
Peut-être que les coupes, c'est à nous de voir au symbole, je ne sais pas. La coupe, ouais, bon, on pourrait dire que si on se réfère au tarot, on est sur l'émotion. Voilà. Donc peut-être sur un ressenti. Ouais. Donc voilà. Ensuite. Là, j'allais dire c'est bizarre. Marie, t'as mal fait ton tri. Voilà, donc le vaisseau, eh bien on le connaît. Ils sont tous les deux aussi beaux l'un que l'autre. Franchement. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus foufou. Là, on est sur quelque chose peut-être un petit peu plus asiatique. Ouais. Un petit peu. Ou comment on appelle cette période mécanique là Bon, bah, j'aurais pas le mot, je suis désolée en ce moment, moi et les mots. Bref, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il ferait un petit peu ça. Voilà. Il y a plein de petites choses à voir. On a sur ce côté quelque chose quand même de plus élégant, hein, de plus riche, hein, on va dire. Là, on voit du monde. Là, à moins d'avoir une sacrée loupe, mais je ne vois pas de monde. Mais je le vois très vivant. Lui, on le voit très vivant. Il bouge. Voilà. Mais enfin, ils sont tous les deux magnifiques. Il fait très mécanique lui aussi, hein, très robotique, on le voit là. Mais c'est pas le même style de mécanisme. J'aime beaucoup. Et puis là, ben, nous avons des feuilles de, je ne sais pas, mais il y a surtout, sûrement un lien. Donc ensuite ici pour les maisons, eh ben franchement moi je vais vers celle-là. elles sont toutes les deux magnifiques, ça c'est clair, mais il y en a une qui fait beaucoup plus cosy et plus rêverie aussi. Hein, bon, alors après c'est un petit peu, on va dire. C'est un petit peu le normand. C'est un peu son thème. Là, on est dans une très très belle maison bourgeoise. Moi, je dirais que c'est un peu style à l'anglaise. Ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Bon, on sent là quelque chose de plus détendu où la nature prend aussi sa place tranquillement. Là, on est sur quelque chose de d'assez strict. Voilà, un foyer confortable mais bien géré quand même. Ensuite, là, nous avons l'arbre qui est très positif. L'un comme l'autre, hop, éperdu. Avec ce vent et cette pluie, je vous dis pas, le pollen n'est pas près de. Pouh. Enfin. Alors là, nous avons en supplément quand même tout ce qui est ADN, héritage, voilà, des choses comme ça. Que nous n'avons pas là, mais on voit quand même cet arbre hein, qui est là depuis des lustres. Hein, voilà. Bon, ce sont des arbres. À nous de prendre la signification. Alors, les nuages. Bah, les nuages, alors j'aime bien parce que là, il y a aussi les glands, c'est drôle.
Faut que je regarde quand même, parce que là-dessus, c'est où j'ai vu aussi ces symboles-là. Ils sont là. Ils sont là. Je me disais aussi, c'est... J'ai déjà vu ça quelque part. Il y a la coupe, le gland, le cœur et la feuille. La feuille de quoi? Oh, il va falloir aller fouiner pour savoir à quoi ça peut correspondre. Bon, je ne vais pas aller fouiner là maintenant parce que je suis en train d'essayer de faire défiler les pages et tout, mais ah, s'il y a ça, c'est qu'il y a bien quelque chose quand même. Il doit bien y avoir quelque chose à ça. Bon. On va aller regarder après. On va aller regarder après. Donc là, au niveau des nuages, honnêtement, celui-ci est beaucoup plus réaliste. Là, ça fait très, très colérique quand même. Hein, très, ça fait beaucoup plus violent. Donc là, on voit plus une espèce de quelque chose de sombre. Très naturel, voilà, quelque chose de sombre. Bon, il y a le tonnerre, là, évidemment, oui, on peut voir aussi la colère. Mais là, avec les couleurs, ça fait beaucoup plus violent. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Bon, et le soleil, il est là, on voit la puissance de la lumière, mais beaucoup plus timide que là, quand même. Ensuite, les serpents, ils sont magnifiques, tous les deux, l'un comme l'autre. Hein. La pomme, c'est très biblique. Il est très irisé, celui-ci, j'aime beaucoup. Et puis alors j'aime bien le fond de la carte parce que là on a les écailles du serpent. Là la pomme elle est croquée donc tu y as été. Voilà, tu as fait ta rebelle, tu as mangé la pomme. Voilà. Alors le cercueil. Celui-ci il est ouf. Mais non, mais il est magnifique. Bon, alors j'insiste à dire que les coupes, à mon avis, c'est dans les émotions, hein, quand même. Hein. Cette protection, il te protège là. Il te protège et il laisse cette âme partir tranquillement, mais il protège le reste. Il est magnifique celui-ci. Celui-ci, on est plus sur comment dire bah, ces croyances égyptiennes. Hein, tu ne meurs pas. Tu laisses ton enveloppe et toi, tu recommences quelque chose. Hein, tu vas ailleurs. Bon, là c'est la même chose, mais on est plus dans l'accueil, dans la douceur, dans tu n'es pas tout seul quand tu pars. Hein. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors là, le bouquet qui est magnifique, il est plus explosif celui-ci avec de la diversité. Alors c'est rigolo parce que ma fille adore, elle adore les tulipes. Et moi, j'adore les roses. Donc, on aurait chacun notre bouquet, là. Ils sont tous les deux très, très beaux. Il y en a un qui est beaucoup plus chargé et l'autre qui est beaucoup plus élégant. Voilà. Ce sont deux très, très belles... Deux très, très belles énergies. Alors, ce que j'aime dans celui-ci, en revanche, c'est la petite carte tradie, là. Elles sont vraiment sympas, les cartes traditionnelles. C'est vraiment très très bien. Alors là, ce que j'aime, c'est que on a l'action avec.
on a l'action. Et ce que j'aime aussi, c'est la couleur du blé. Donc celle-ci, on pourrait l'interpréter de base, hein, sans parler de maladies chirurgicales ou des choses comme ça. De base, on pourrait dire que tu récoltes ce que tu as semé. Mais attention, tu récoltes ce que tu as semé. Donc, si tu as bien semé, tu vas avoir bonne récolte. Donc, ce blé qui a mûri, hein, qui a doré au soleil. Mais si tu as mal semé ou pas au bon moment, enfin voilà, tu récoltes quelque chose qui n'est pas encore bon. Hein? Donc, tu récoltes quelque chose de pas top. Alors, moi, cette lame qui est souvent représentée, on va dire, d'ailleurs là on le voit avec les nuages et tout ça, qui est un peu représentée sur un truc négatif. Mais moi, quelque part, j'ai envie de dire non, pas forcément. Moi, je le vois neutre. Des choses qui changent complètement. Bon, c'est vrai que après, quand tu vois la force et tout de la personne, là, tu pourrais te dire, bah oui, il y a quelqu'un, mettons, je sais pas, hein, dans ton entourage. Qui est de caractère très tranchant, hein, et bah, il pourrait peut-être se passer quelque chose où il va te couper, mettons, l'herbe sous les pieds, hein, comme on dit. La réflexion. Quelqu'un qui est en force, il va vraiment assez violent. Hein. On fait pas dans la dentelle, dans la douceur, dans le coton. Voilà. Elle a plein de sens, mais on peut aussi rencontrer une personne qui peut t'aider à trancher, voilà, sur quelque chose, sur une hésitation. Toi, tu hésites et cette personne, elle va t'aider à ne pas, on va pas hésiter. Et ça peut être quelque chose de positif aussi. J'aime beaucoup, elle fait énormément parler celle-ci. On le voit, il serre très très fort. C'est très joli quand même, hein, quand on voit l'action avec les mains. Donc nous avons uniquement le fouet. D'accord, nous avons le fouet. Alors, le fouet, bah, ça peut être quelque chose de piquant aussi. Moi, j'aime bien, en revanche, là, quand il y a le balai, parce que c'est vrai que c'est une carte qui peut se relié à certains fantasmes aussi, hein. Ça dépend des cartes et puis du contexte ou de la personnalité. Mais moi, j'aime bien quand il y a le balai, ou pourquoi pas séparer les deux, mais parce que le balai est plus représentatif du je fais le ménage. Voilà. Je fais le ménage, je balaye ce qui n'a pas lieu d'être dans ma maison. Voilà, et puis je me débarrasse, hein. Il faut que je purifie tout ça, voilà, des choses comme ça. Et puis, bien, là, on est dans quelque chose de plus. C'est assez violent aussi, quand même, hein, parce qu'on voit quand même le bout des cordes qui ont. D'ailleurs, si ça se trouve, ça forme des lettres. Hein. Ah, c'est un petit truc peut-être à voir, parce que là, et on dirait les Chiromarchetti. D'ailleurs, hein, ça fait les initiales de monsieur. Là. Voilà. Mais voilà, ça c'est quand même assez chaud. On est dans la lutte, on est dans la domination. Bon, d'accord. Mais bon, à elle toute seule, on fait le ménage, hein, aussi. Mais pas très, très tendre. C'est un peu
l'idée aussi. Hein. Alors, 12, les oiseaux. Alors, comment les interpréter, tout cela? Parce que là, c'est vrai que nous avons des oiseaux et des oiseaux et des oiseaux. Alors, j'aime bien parce qu'il a pris quand même le symbole encore de la chouette qui est porteuse. Elle est porteuse de quelque chose, cette chouette. Et là, c'est pareil au niveau des oiseaux. J'ai pas envie de mettre ce côté négatif parce que elle est porteuse de messages. Ça peut être un bon message en fonction, voilà, hein, et puis ça peut être un mauvais message, mais ça peut être aussi un conseil, voilà. Pour moi, la chouette, elle a toujours eu ce symbole de écoute bien autour de toi, fais attention aux signes, voilà. On est dans une espèce de sagesse, voilà. Ces oiseaux de nuit, pour moi, ce ne sont pas des animaux qui doivent faire peur, mais ce sont des animaux qui doivent t'apprendre à être dans le silence. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le silence, dans la nuit. Et c'est dans ce silence-là qu'elles y voient très loin et qu'elles ressentent les choses autour, hein, pour pouvoir bouger, chasser, tout ça. Et pour moi, voilà, c'est porteur de ce genre de message. Fais attention autour de toi, sois plus attentif à ce que tu fais, à ce que tu vois, à ce que tu écoutes, voilà. Donc, je le vois plus dans ce sens-là. Donc, quelque chose d'assez positif. Et puis là, on est sur quelque chose de très classique, hein, la communication. Les bavardages, les on-dit, hein, je discute, j'écoute et je vais aller répéter ça à tout le monde. Hein. C'est exactement ce qui s'est dit là, hein, les petits ragots. Bon, ça peut être aussi un rassemblement. Voilà, donc ils sont très beaux ces oiseaux exotiques là, mais je préfère celle-ci. Et dans les chouettes, j'aime bien les deux, en fait. Celle-ci, elle me fait penser au tarot. Alors, je suis en train de regarder derrière ma caméra si je vois l'image de mon tarot avec les chouettes, mais je ne la vois pas. Donc, je ne pourrais pas dire le titre. Voilà, il est planqué, le pauvre. Alors. Là, les enfants, alors là, c'est magnifique parce qu'on a le petit garçon ici, la petite fille là. Ah, si, c'est un truc que je me suis toujours demandé pourquoi. Ah, si, je crois qu'il y a un Lenormand. Lequel est-ce? Je dois avoir un Lenormand ou nous avons un enfant noir et un enfant blanc. Alors ça c'est très bien. Hein. On a les personnages aussi. Un hein. Personnage noir. Ah ben je crois que c'est le rose rosès, je sais pas quoi là. Ouais, le normand. Enfin, vous me direz si vous vous voyez lequel je parle. Mais je me dis pourquoi faire deux hommes, deux femmes et pourquoi on ne fait pas deux enfants, un garçon et une fille. C'est quand même ça serait quand même plus sympa. Bon, alors après, parce que là, on est peut-être aussi plus dans le symbolisme que dans le personnage, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, l'innocence, la légèreté, la naïveté. Ouais, voilà, c'est bon, un petit peu comme ça. Et puis une naissance, hein, quelque chose de nouveau. Mais bon, voilà, ça aurait été sympa. Mais ils sont beaux tous les deux. Celui-ci. Ils sont tous les deux rêveurs d'ailleurs en plus. Hein. Voilà, très très rêveurs. Donc là, on est dans la petite fille qui dort dans ses draps de soie.
Et là, on est plutôt sur un enfant qui rêve à ce qu'il pourrait construire. Hein. Il pense déjà quand même à un apprentissage, à une éducation, une curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Elle, peut-être qu'elle rêve. Elle rêve et elle reste quand même dans la sécurité. Voilà. Je reste dans la sécurité. Je rêve d'abord. Je sais que des choses m'attendent, mais je préfère d'abord les rêver et puis je reste en sécurité en premier. On verra. Ensuite, eh bien, nos renards, ils sont tous les deux aussi majestueux l'un que l'autre. J'ai totalement enlevé l'idée de cette femme rousse et qui pourrait trahir. Ça, c'est dans les vieux jeux, en fait, hein, où on te dit un homme brun, une femme brune, et ceci et cela. Je pense que quelque part, il faut évoluer un petit peu parce que pour moi, donner la couleur de cheveux ou quoi que ce soit dans une cartomancie, c'est bétouille parce que, et puis pour moi, quelque part, ça, la personne, elle se focalise sur ça et puis qui te dit que, est-ce que c'est une vraie rousse ou est-ce que c'est une rousse teintée? Non, enfin, j'en plaisante, mais c'est vrai que des petits détails comme ça, bon, ben moi, j'y fais pas attention parce que après la personne qui est en face de toi, elle se focalise en disant, ah, oh, ça se trouve c'est elle, ah, oh, ça se trouve c'est elle, ou alors, ah, mais je connais pas de rose et tout. Et voilà, plutôt que de vivre tranquillement et de lâcher prise sur plein de choses, elle se focalise sur des trucs un peu bétouilles. Et puis je suis un petit peu déçue aussi que le renoir soit représenté. D'accord, le travail, tout ça. Et ça lui va bien hein, au renard, parce que il est sans arrêt en activité physique et aussi intellectuelle hein, pour survivre. À ce qu'il survit. Malheureusement, bien sûr, s'il est représenté dans une espèce de trahison, c'est parce que il joue beaucoup de la ruse et il est opportuniste pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est une manière de s'en sortir. Voilà. Mais bon, moi, c'est un petit peu comme le corbeau, le chat noir, tout ça. C'est ces animaux que j'adore et que ça m'embête qu'ils aient cette étiquette. Alors, les ours, eh bien celui-ci, il est magnifique parce qu'il est très, très, très naturel. Et j'ai l'impression que peut-être que c'est par rapport au. Au tarot, hein, quand même, parce que là, les cœurs, c'est peut-être le sentimental. Bon, allez, j'arrête de fouiner, je verrai ça tout à l'heure. Faut pas que j'oublie que je suis en vidéo, hein. Il y en a pour je sais pas combien là. Alors, donc, l'ours, j'aime beaucoup. Il est très réaliste. Honnêtement, je préfère celui-ci, mais celui-ci, j'adore. Hein. On est dans la rêverie, là, après tout. Hein. Donc, il a son royaume. Voilà. Là, on est avec le symbole aussi de ce saumon, de ce poisson d'argent. Le poisson est un symbole d'argent, hein, de toute façon. Là, on a la force, on a l'argent, on a cette forte personnalité, hein, une espèce de hiérarchie. On le sent bien, on le voit bien, beaucoup plus dans celle-ci que celle-là. Ensuite, l'étoile. Bah, l'étoile, moi, je trouve qu'elle est magnifique, là. Hein. Il nous manque plus que l'astrologue, qui serait en train de faire ses recherches à ça. Celle-ci est beaucoup plus symbolique. Voilà. Bon, j'aime les deux, mais je préfère quand même celle-ci. Elles sont magnifiques.
Ensuite, la cigogne. Alors, j'aime bien là parce qu'elles sont en mouvement. Celles-ci, elles sont tout le temps en mouvement. Celles-ci, elles ont atterri, elles sont en train de construire. Hein, voilà. Je viens de changer, je viens de déménager, j'arrive, je m'installe. Voilà. Je m'installe, mais on a encore les. Hein, il y en a une qui s'installe, mais l'autre qui est prête à redémarrer. Hein, s'il faut, voilà, y a pas de souci, je suis prête à repartir. Voilà. Bon, celles-ci, elles sont en mouvement avec beaucoup d'éclaircies derrière, hein, ce soleil peut-être levant, on va dire. Donc, quelque chose de nouveau et assez positif. C'est une carte qui est très positive. Bah là les oh, franchement oh, j'adore, c'est très positif hein. Là on est avec le chien, le gardien le gardien alors j'aime bien, c'est assez symbolique. Là on a le gardien depuis toujours qui garde avec fidélité depuis des générations les moutons. Là on voit hein, le mouton adulte et là l'agneau. Et puis là on c'est le chien qui demande. Voilà. Encore les initiales de monsieur. J'avais pas remarqué ici. C'est le chien qui demande. Hein. Il demande. Viens. Moi je suis fidèle à toi. Est-ce que toi tu voudrais échanger avec moi? Sois fidèle à moi aussi. Voilà. La tour, bah pour le coup, je préfère celle-ci. Celle-ci est très, comment dire, très science-fiction. On se croirait dans ces films à la Marvel, des choses comme ça. Oui, elle est très irréelle. Et pour le coup, celle-ci est beaucoup plus réelle. C'est la tour. Ça, c'est le jardin. Alors là, j'aime beaucoup. J'adore les deux, en fait. Moi, alors, ce visuel-là, j'adore. Là, tu peux très bien t'imaginer un jardin intérieur. Tu as une grande bulle. C'est grand. Bah, faut être riche. Hein. Mais bon, tu as cette grande bulle immense, géante et tout. Et tu as ça à l'intérieur, c'est magnifique. Et puis celle-ci, bah, tu vois, tu vas à l'extérieur, mais tu es dans ton jardin. Voilà, il est fleuri, il est beau, il est fruité, il est ensoleillé, il est doré, il a tout. Voilà, il est magnifique. Ils sont tous les deux magnifiques. Donc là, la montagne. Celle-ci, alors celle-ci, elle, pour le coup, elle fait très, très naturelle. Là, j'aime beaucoup. Donc là, il a mis aussi ses initiales, c'est rigolo. Là, j'aime beaucoup parce que. On te dit, c'est quelque chose à surmonter, bien sûr. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va te freiner. Ok. Mais qu'est-ce que tu as en bas? Tu as quand même quelque chose de fertile, c'est vert et tout. Et tu as cette force, cette sagesse. Tu as cet animal-là qui est là, qui te dit, et moi, ça fait des siècles et des siècles et des générations. Et crois-moi que la montagne, on peut la surmonter. Et j'aime beaucoup cet exemple que ça peut donner. Ici, on est dans quelque chose d'un peu plus désastreux. C'est assez chaotique et c'est un peu plus violent. Et là, c'est le contraire. Là, c'est là où on te dit, tu vas y arriver. Regarde.
Nous, on vole au-dessus. Mais bon, tu voles, toi. Hein. Toi, t'es là, t'es en bas. Hein. Faut que tu traverses en deux. Mais ça pourrait être tes guides, hein, qui pourraient te dire, suis-nous. Suis-nous, tu vas voir. Ça va être désagréable. Le terrain est peut-être pas ça, mais suis-nous, tu vas voir. Donc, plutôt sympa. On a encore les initiales. J'avais pas remarqué qu'il y avait sur la plupart des cartes les initiales de monsieur. Voilà. Alors là, le choix. Bah, honnêtement, le choix, alors c'est très joli, ça fait très symbolique, mais c'est assez futuriste de ce côté. Ça fait très extraterrestre, là encore, j'ai envie de dire. C'est ça, l'excentricité de ce personnage. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Mais je préfère celle-ci. On a un visuel beaucoup plus explicite et j'aime beaucoup, en fait, quelque part, le choix. C'est-à-dire que quel que soit le choix, dans celle-ci, hein, c'est ce qu'on peut ressentir, quel que soit le choix que tu fais, tu ne peux aller que par les hauteurs, déjà, d'une part. Et puis, d'autre part, regarde, les portes sont ouvertes. À toi de choisir où veux-tu aller. Hein? Est-ce que tu veux aller par ici où on te dit que tu es peut-être sur quelque chose de beaucoup plus rationnel et voilà, ou on te dit est-ce que tu veux aller un peu plus vers cette foi intérieure, vers cette lumière qui t'appelle et que tu as envie d'approfondir, de découvrir. Voilà. Bon. Là, on est sur quelque chose de très rigolo. Alors, c'est peut-être les couleurs aussi qui sont assez symboliques. C'est quoi qu'on pourrait regarder sur la 22? Je suis curieuse, je suis en train de filmer en plus, mais non, tout va bien. Tout va bien. Bah, là, je suis pas trop d'accord. Alors, l'image, que choisir? La lumière rouge ou la bleue? Voilà, ce sont des chats ailés, d'accord, qui éclairent les routes conduisant chacune vers une destination inconnue. Il importe de ne jamais marcher en territoire étranger sans lui porter toute l'attention requise. Mais par contre, j'aime pas du tout l'accueil. J'aime pas du tout, enfin, ouais, l'accueil du mauvais augure. Moi, j'appellerais ça plutôt neutre, mais pas mauvais augure. Parce que les choix se travaillent et ils sont pas systématiquement négatifs, ces choix-là. Bon. Est-ce que dans celui-ci aussi, ben, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus touché un bouquin. De Lenormand. Le choix annonce une décision, un choix, un présage de nouvelles directions. Bon. Ben voilà. Pour moi, c'est neutre. Mais bon. Allez. Alors. Le 23, les souris, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Là, c'est vraiment, comment dire, représentatif de la souris, hein. C'est-à-dire tout le temps aux aguets, la peur. Tremblote. Et puis, on va dans tous les sens, on grignote tout et puis on peut aller, à cause de ce grignotage, aller jusque dans la catastrophe, peut-être sans le vouloir, ça c'est clair, mais on l'a fait quand même. Ouais. Alors là c'est joli parce qu'on voit quand même, elles ont commencé à manger les réserves, hein.
Tandis que là, elle est juste accrochée au torchon. Hein. On a le petit basilic là. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être une feuille de basilic là-dessus. Ouais, c'est peut-être ça, une feuille de basilic. Voilà, enfin voilà, ça représente quand même encore cette petite fragilité. J'adore les yeux des souris, des gerbilles, des hamsters, tout ça. Alors, le cœur, bah, le cœur, les deux sont magnifiques. Là, c'est le signe. Hein, et puis, bah, le symbole. Et là, c'est très, comment dire, c'est le joyau. Ouais, c'est vraiment, il est très... C'est le joyau. Voilà, c'est grâce à lui que... Fait quelque part, celle-ci, elle représente plus que ce que le cœur a d'importance en toi. Bah, c'est lui qui bat pour toi. Hein, c'est lui un des moteurs de ton corps. Hein. Il y a le cœur, il y a le cerveau, et il y a aussi les poumons. Et voilà, et là, il te dit, je suis précieux, je suis précieux. L'anneau, wow. Ouais, ben l'anneau, alors j'aime bien parce qu'il est très planétaire, celui-là. C'est rigolo. Comme pour l'anneau de cette fameuse planète. Alors, voilà. C'est qui? Oh là 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 là. Ah, oh, bon, allez. Ça doit rigoler là derrière celle qui regarde les vidéos. Genre, mais c'est ça. Bon. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Alors là, j'adore. On a affaire sur deux facettes. De la chose. Hein. Voilà. Entre quelqu'un qui est de personnalité, hein, quelqu'un qui est cultivé, une grande culture générale, mais qui est encore ouvert à ça, qui a conscience que on n'apprend pas tout et on n'a jamais tout appris. On apprend encore et encore et encore. Et quelqu'un qui peut être très ouvert autour de soi et puis qui est très bah, sociable hein, aussi. Et puis on a ce côté, quelqu'un bah, toujours très cultivé, évidemment, mais quelqu'un qui a ses secrets. Ou quelqu'un qui ne s'ouvre pas comme ça, hein, qui a besoin qu'on l'aide justement à s'ouvrir. Hein, si tu veux que je m'exprime, viens vers moi, parce que c'est pas moi qui irai vers toi. J'aime beaucoup. Là, il représente les deux façons. J'aime beaucoup. Et puis, eh bien, tu as tout simplement l'apprentissage. Hein. Tu peux avoir beaucoup à apprendre. J'aime beaucoup. Alors, honnêtement, je préfère celui-ci. Visuellement, il est magnifique, hein, celui-ci. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. Il représente les deux. Je vais éternuer. Voilà. Et puis, ça pleut. Et ça pleut. Et ça pleut. Alors, la lettre, eh bien, la lettre, elle est magnifique. Les deux sont très, très belles. Oui, bah là, tu représentes la lettre et puis l'encrier, tout ça. Waouh! Là, j'aimerais bien sentir l'encre qu'il y a là-dedans. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont toutes les deux très, très belles. Donc là, nous avons les hommes. Les hommes. On va d'abord les hommes. Alors là, les hommes. Nous avons quelqu'un qui est un petit peu plus... Alors c'est rigolo.
C'est rigolo parce que, point de vue vestimentaire, nous avons quand même quelqu'un d'assez contemporain, d'assez de moderne, hein, au vu la coiffure, tout ça, et une tenue d'une autre époque. Oui. C'est comme si c'était quelqu'un de très nostalgique, en fait. Voilà. Et puis, toujours dans l'élégance, voilà, dans les traditions, certainement, hein, quelqu'un qui est dans les traditions. Et là, on a quelqu'un qui a évolué. Il a su évoluer. On est encore sur une autre époque. Il a su évoluer et on a beaucoup plus de fierté. C'est très joli. Voilà, c'est très joli. Ils sont tous les deux posés quand même. J'aime beaucoup lui, il a un visage qui se pose, c'est comme s'il pensait à l'avant. Et lui, il est là, très posé, très sûr de lui. Et puis on sent que il adore à recevoir de personnes. Hein. Voilà. C'est plutôt lui qui en impose. Oui, vraiment. Vraiment deux personnalités qui sont vraiment superbes. Là, on est sur quelqu'un, là c'est pareil, de très traditionnel. On est sur quelqu'un de pur, de simple, voilà, de tranquille. Et là, on est beaucoup plus sur la séduction, hein, beaucoup plus confiance en lui. J'allais dire beaucoup plus confiance. Je ne sais pas si vous entendez, mais on a une espèce de tempête dehors. Je vous dis pas, j'ai le garage qui chante le vent, ou le vent qui chante dans le garage, mais c'est super. Bon, enfin, bon, bref. Il y en a qui vont accélérer, je pense. Et donc voilà, on voit la différence de ces hommes. Et puis les femmes, on est pareil. Hop. Alors là, c'est pareil. On est chez cette femme et qui a une coiffure différente de l'époque de sa robe, je pense. Voilà. Mais elle est à l'aise, elle est bien, elle est belle, elle est pensive. On est là, dans cette image-là. Voilà. Elle est posée. Elle est détendue, mais on a un visage très très contemporain par rapport à l'époque de sa tenue. Voilà, c'est comme une personne qui resterait dans la nostalgie. Elle, on voit aussi hein, que c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, une certaine éducation, qui suit les cours de la mode. Hein. On voit, c'est voilà, même si on est sur des époques, voilà, on sent que c'est une personne qui s'est fait une étiquette, une personnalité qui se montre un petit peu plus. Et puis ben là, c'est pareil. On a le romantisme, on a l'éducation, on a la rêverie, oui, c'est ça. Et puis là, on a la personne qui ressent autre chose. Voilà, qui a besoin de s'exprimer physiquement, qui a besoin aussi qui a confiance en elle, qui a confiance en ses atouts. Oh là 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 là. Alors, les lys, voilà. Et c'est même pas les lys, c'est les arômes. Ça, c'est du lys. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a mis les arômes.
Bah c'est là que je m'aperçois qu'en fait, il y a peut-être un symbole à ça. Dites-le moi si vous... Si vous savez, donc le soleil, bah le soleil, il est magnifique des deux côtés. Là, celui-ci, de ce côté-là, il fait très Inca. Ce soleil, ouais, l'élévation hein, pyramidale en fait. Et puis là, on a ce soleil, ces trucs solaires là, ce calendrier solaire. C'est un artiste, ce monsieur. Donc, la lune, ben, la lune, là, il s'est inspiré des mêmes, du même mécanisme. Ah, j'adore. Alors, celle-ci, elle fait plus naturelle, évidemment. Mais elles sont jolies l'une comme l'autre. Bien sûr, avec les initiales de monsieur. La clé, hein, j'aime beaucoup le symbole de celle-ci. En plus avec le fond, le nuage, hein. C'est comme si on rattrapait le. Si elle était à côté du nuage, ce serait vraiment bien aussi. Ça parlerait pas mal. Et bien là, tu vois la lumière. La serrure se trouve plein dans la lumière. J'aime beaucoup. Ça fait plus naturel en ressenti. Là, c'est plus visuel. Bah bien sûr, la cage. Hein. La cage, tu veux te libérer de la bénédiction, tout ça, tout ça. Et tu as la clé pour l'ouvrir, cette cage. Elle est magnifique aussi. Mais celle-ci est beaucoup plus parlante, je trouve. Je trouve. Voilà, nos poissons. Ah bah, celle-ci, moi, je préfère, évidemment. C'est la carpe koi. C'est très. Voilà, là, on est bah, beaucoup plus naturel. J'adore, 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 j'adore. Le symbole du poisson. Hein. D'ailleurs, j'ai une bague poisson. Alors, l'encre. Alors, celle-ci est beaucoup plus façonnée. Elle est beaucoup plus belle, on va dire. Celle-ci est beaucoup plus naturelle et on sent qu'elle a du vécu. Voilà. Et puis, elle est ancrée. Hein. Là, elle est en train de s'ancrer. Là, elle est ancrée. Le symbole est très très beau. Alors, la croix. Ah, moi, j'aime beaucoup l'ouverture de celle-ci. C'est en fait la porte en s'ouvrant qui dégage une croix de lumière. Je trouve ça magnifique. C'est très visuel, hein. On a un beau ressenti à ça. Qu'est-ce qui se passe derrière? D'accord. Bah, peut-être que il a du chagrin quelque part, mais il y a quelque chose derrière ce chagrin où on pourrait t'aider. Il y a la lumière, par exemple. J'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, ah là, il a voulu mettre le temps ici, le temps ici. Bah moi, j'adore les deux. Ce temps fait très scientifique. On a encore les initiales de monsieur. Et là, on a le temps un petit peu avec ses horloges à la Pinocchio. Et j'aime beaucoup ce temps parce que tu entends le mécanisme. Et là, eh bien là, il t'oblige à méditer dessus. Regarde les grains de sable. En silence. Ça tombe. En silence. J'aime beaucoup. Il est ici. Le sablier. On le voit là. C'est rigolo. J'aime beaucoup. Ensuite. La 38, alors là c'est rigolo parce qu'on a le puits. Alors il n'y avait pas un puits là-dedans, bah ben, si il est là,
Il est là en 41, le puits. Oh, et là, il y a le pont. Assez marrant, il a inversé, en fait. Il a inversé. D'accord. Ok. Bien voilà, en 38, tu as le pont hein, qui te fait soit le changement, la transition plutôt. Hein, voilà. Une transition petit à petit. Hein, parce qu'on commence ici, mais après, il va y en avoir une autre. Donc, beaucoup de choses à travailler. Et puis aussi, le passage secours. Hein, tout, on te dit, faut ouvrir un petit peu les yeux. Regarde, d'accord, il y a ça. Mais regarde, tu as quelque chose pour traverser, donc tu peux le faire. J'aime beaucoup. Et puis le puits, bah, le puits, c'est quoi? C'est l'infini. Parce que bon, ça, ce sont des puits qui sont très, 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 très profonds. Le puits, j'aime beaucoup où tu as ce symbole du vœu. D'ailleurs, celui-ci, il est lumineux. Hein. Genre, fais un vœu. Allez, vas-y, fais un vœu. Et puis, hop, fais tomber ta pièce. Hein, pourquoi pas. Mais le puits aussi, ça peut être aussi le sauveur. Parce que bah, il peut rester là, parce que là on voit, il y a quand même la manivelle, il y a quand même le mécanisme, donc qui te dit que ce puits n'a pas encore un peu d'eau pour te réhydrater un petit peu. Et puis le puits aussi, c'est quoi? C'est celui qui garde les secrets. Il garde les secrets et il les a bien, 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 bien gardés. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là. Il garde tes secrets. Et ça se répétera pas, là, au moins. Voilà. Ben, le jeu du hasard, moi j'aime beaucoup. J'aime bien celle-ci parce que là, ce sont des étoiles. Là, ce sont des dés traditionnels. Mais le côté étoile, le hasard, mais l'espoir aussi. Et l'étoile, pour moi, voilà, c'est ça. Hein, c'est le symbole de l'espoir. L'espoir et le hasard, c'est sympa. Voilà, ils sont bien tous les deux. La 40, 40, là, nous avons la boussole. Et je crois que la boussole, elle est en 42 ici. Et là, en 42, nous avons, tiens, Chiro Marchetti. Alors, il a changé un petit peu. Mais bon, après, j'ai envie de dire. C'est pas grave puisque ce sont des rajouts. Hein, ça n'a aucun rapport avec le normand. Ce sont des rajouts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le puits. Vous voyez, ici, il a le sceau. Donc, le puits, il peut te sauver aussi. Hein. Il peut t'emmener peut-être dans le passé. Et puis là, la fameuse transition. Alors là, on est quand même dans. Ah, vous avez vu? L'œil. La forme du reflet du pont te fait l'œil. Et là, tu as la pupille. Mais c'est joli. Genre, je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. On me propose, je vais aller voir. C'est joli. Et donc, on va faire ça comme ça. Hein, voilà. Donc la boussole, le repère, le guide, l'orientation. Tout ça. Moi, je manque d'orientation. Et donc voilà. Là, nous avons le masque. J'aime beaucoup cette façon-là de bouffonnerie. voilà. Je mets les masques que je veux. Bon, ben voilà, c'est. Moi, j'aime beaucoup ce genre de carte parce que c'est pas uniquement genre tu vas croiser une personne qui est fausse.
mettons. Ça peut être aussi une adaptation, j'ai envie de dire. Ça peut être toi. Ça peut être toi qui va devoir t'adapter à un certain contexte, même si ça ne te plaît pas, mais il va falloir t'adapter. Donc tu vas mettre le masque qui va bien dans ce contexte-là. Hein? Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais ça peut. Peut-être que l'on te dit, il va falloir t'adapter à quelque chose aussi. Voilà. Donc, nous sommes là au labyrinthe. J'aime beaucoup. Alors, honnêtement, je préfère celui-ci qui est beaucoup plus réaliste, où, voilà, les personnes. Vous savez, ça me fait penser un petit peu, vous savez, ces réseaux sociaux. Tu as les réseaux sociaux où tout le monde est connecté sans être connecté. Voilà. On est connecté, on est dans les mêmes lignes, mais en fait, on ne se connaît pas, on ne se voit pas et on ne se contacte même pas. Voilà. Bon, alors là, après, là, on voit. Quand même que c'est quelque chose où tu es un peu perdu. On n'a pas l'issue. Là, après, on peut te montrer qu'il y a quand même une issue. C'est à toi de te concentrer, de chercher, de trouver, mais il y a une issue. Donc voilà. Ici, alors c'est rigolo parce que le labyrinthe, il est déjà, il est pas plat. Voilà. On a un centre. Encore les initiales de monsieur. Ben, j'ai même pas regardé complètement sur toutes les illustrations où sont les initiales de monsieur. Et là, on voit quelque chose de très profond. Ça ferait presque. C'est assez scientifique, là, j'ai envie de dire. Ça serait même un peu. Vous savez, comme ces puces à l'intérieur des cartes, voilà, des trucs comme ça, où il faut vraiment, vraiment aller chercher pour décoder le truc, hein, quand même. Alors, et ici, en 44, nous avons la loupe. Donc là, si tu y vois pas avec une, eh ben, t'en prends deux. J'aime beaucoup le mécanisme. Et puis le QR code, là, j'adore, avec au centre le bouffon. Il est là. Ça me fait penser un petit peu au centre un des tarots qu'il a fait là, genre encore tarot ou quelque chose comme ça. Ouais. Et puis là, on retrouve la femme et l'homme. Cette femme d'une époque un peu plus reculée et cet homme d'une époque un peu plus moderne. Ouais, il y a plein de petites choses en fait à comprendre en supplément. Voilà, eh bien les amis, 1h18 pour vous présenter tout ça. Bon, bah, je suis vraiment désolée, mais je me suis bien régalée à vous faire ce partage. Je trouve que ce jeu est magnifique. Un Lenormand de plus, mais ça va, hein, j'en ai pas des tonnes non plus, hein. J'en ai peut-être une petite vingtaine de plus, donc ça va. J'en ai pas des tonnes. Et puis bon, bah celui-là, vraiment, il est vraiment décalé, vraiment. Et puis, il parle beaucoup, il est beau. Et puis, j'aime le monde de ce créateur aussi. J'aime beaucoup ce monde-là. Donc, voilà, voilà, voilà. J'espère que ce contenu, malgré qu'il a été long, vous aura plu. Même en accélération, hein, je comprendrai. Même à écouter en plusieurs fois, je comprendrai aussi. En tout cas, merci d'être là avec moi
pour les contenus que je vous partage. Et puis, merci à ces personnes qui arrivent petit à petit. Et un grand merci aussi à ces personnes qui me suivent, qui sont toujours là et que même si elles n'ont rien à dire, il y a toujours un petit coucou. Et ça, c'est génial. Et c'est vraiment super. Ça crée des liens. Et je vous dis à une prochaine vidéo parce que là, je vais faire une pause café. Mais ensuite, j'attaque la vidéo du blabla du dimanche. Donc, je vous dis ciao, ciao!